Famille nombreuse, famille heureuse, dit une chanson des Négresses Vertes. Est-ce que c'est vrai Nous allons le demander à deux jeunes collégiennes. On commence par toi, Mylène. Vous êtes combien dans la famille J'ai deux frères et deux sœurs. Avec moi, ça fait cinq. Sept avec les parents. Quand on est nombreux, il faut être bien organisé. Comment faites-vous Il y a un planning sur le frigo qui rappelle à chacun son tour de corvée. À tour de rôle, on fait le ménage, on met le couvert, on débarrasse. Le plus petit, pas encore. Il n'a que quatre ans. Mais à partir de six ans, c'est la règle. Est-ce que tu vois un côté positif Oui. C'est chouette parce qu'il y a toujours quelqu'un pour jouer. On n'est jamais seul. Mais on se dispute souvent aussi. Entre frères et sœurs, on se dit des gros mots, on se tape dessus. Et il y a moins de respect qu'avec les amis. Pour quelle raison est-ce que vous vous disputez On n'a pas le même âge. On n'a pas les mêmes goûts. Mon grand frère est au lycée et pense avoir plus de droits que moi. C'est lui qui choisit les programmes télé. Je partage ma chambre avec ma petite sœur et mes deux frères l'autre chambre. Quand on voyage ensemble, c'est la pagaille. Chacun veut se mettre devant, à côté de papa. Heureusement, on ne part pas souvent tous ensemble. Et toi, Vanessa, tu es fille unique Non, j'ai deux petits frères jumeaux. Comment ça se passe Ça dépend. D'habitude, le soir, quand les petits vont au lit, je leur raconte des histoires. Quand les parents ne sont pas là, ils ne m'écoutent pas et ils se chamaillent tout le temps. Je n'ai pas de moment de calme toute seule. Les petits m'embêtent quand je fais mes devoirs ou que j'écris mon journal. Alors pour être tranquille, je ferme ma chambre à clé. L'avantage pour nous, c'est d'avoir une grande maison. Tu voudrais changer ta situation Certainement. Un enfant unique reçoit plus de cadeaux. Il a toute l'attention des parents pour lui. Famille nombreuse, famille heureuse, dit une chanson des Négresses Vertes. Est-ce que c'est vrai Nous allons le demander à deux jeunes collégiennes. On commence par toi, Mylène. Vous êtes combien dans la famille J'ai deux frères et deux sœurs. Avec moi, ça fait cinq. Sept avec les parents. Quand on est nombreux, il faut être bien organisé. Comment faites-vous Il y a un planning sur le frigo qui rappelle à chacun son tour de corvée. À tour de rôle, on fait le ménage, on met le couvert, on débarrasse. Le plus petit pas encore, il n'a que quatre ans. Mais à partir de six ans, c'est la règle. Est-ce que tu vois un côté positif Oui. C'est chouette parce qu'il y a toujours quelqu'un pour jouer. On n'est jamais seul. Mais on se dispute souvent aussi. Entre frères et sœurs, on se dit des gros mots, on se tape dessus, il y a moins de respect qu'avec les amis. Pour quelle raison est-ce que vous vous disputez On n'a pas le même âge. On n'a pas les mêmes goûts. Mon grand frère est au lycée et pense avoir plus de droits que moi. C'est lui qui choisit les programmes télé. Je partage ma chambre avec ma petite sœur et mes deux frères l'autre chambre. Quand on voyage ensemble, c'est la pagaille. Chacun veut se mettre devant, à côté de papa. Heureusement, on ne part pas souvent tous ensemble. Et toi, Vanessa, tu es fille unique Non, j'ai deux petits frères jumeaux. Comment ça se passe Ça dépend. D'habitude, le soir, quand les petits vont au lit, je leur raconte des histoires. Et quand les parents ne sont pas là, ils ne m'écoutent pas. Et ils se chamaillent tout le temps. Je n'ai pas de moment de calme toute seule. Les petits m'embêtent quand je fais mes devoirs ou que j'écris mon journal. Alors pour être tranquille, je ferme ma chambre à clé. L'avantage pour nous, c'est d'avoir une grande maison. Tu voudrais changer ta situation Certainement. Un enfant unique reçoit plus de cadeaux. Il a toute l'attention des parents pour lui. SOS Animaux. On m'a dit que tu faisais partie d'un club de jeunes de la Société Protectrice des Animaux. J'en ai entendu parler et je voudrais m'engager. Excellente idée. La SPA accueille des animaux dans les refuges. Quelles sont les activités du club On fait plein d'activités. Moi, je vais depuis quelques mois dans un refuge, tous les samedis après les cours et pendant les vacances scolaires. Je m'occupe des chiens abandonnés. Chaque fois, je vois une dizaine de chiens. Je leur donne leur nourriture, je les brosse, je les promène, je joue avec eux et je leur fais des câlins. Je ne comprends pas ceux qui abandonnent les animaux. Tu passes tout l'après-midi avec eux Ouais, mais ce n'est pas obligatoire. On peut rester le temps qu'on veut. Tu n'as pas peur Les chiens ne sont pas agressifs Non, ils sont surtout malheureux. C'est un peu déprimant parfois, parce qu'on s'attache à ceux qu'on voit souvent. Ensuite, c'est dur de les quitter. Mais chaque fois qu'un animal est adopté, je m'en réjouis. Un labrador que j'aimais beaucoup a été adopté récemment. Et son nouveau propriétaire nous a envoyé une photo et des nouvelles. Ça nous a fait vraiment plaisir. Alors, tu me conseilles de m'engager? Oui, bien sûr. Cela ne demande pas beaucoup de temps ni d'énergie. Par contre, on sent que les animaux apprécient notre visite et qu'ils nous attendent. Les employés du refuge n'ont pas beaucoup de temps à part les soins essentiels. C'est de nous que les animaux attendent les câlins et les promenades. SOS Animaux. On m'a dit que tu faisais partie d'un club de jeunes de la Société Protectrice des Animaux. J'en ai entendu parler et je voudrais m'engager. Excellente idée. La SPA accueille des animaux dans les refuges. Quelles sont les activités du club On fait plein d'activités. Moi, je vais depuis quelques mois dans un refuge, tous les samedis après les cours et pendant les vacances scolaires. Je m'occupe des chiens abandonnés. Chaque fois, je vois une dizaine de chiens. Je leur donne leur nourriture, je les brosse, je les promène, je joue avec eux et je leur fais des câlins. Je ne comprends pas ceux qui abandonnent les animaux. Tu passes tout l'après-midi avec eux Ouais, mais ce n'est pas obligatoire. On peut rester le temps qu'on veut. Tu n'as pas peur Les chiens ne sont pas agressifs Non, ils sont surtout malheureux. C'est un peu déprimant parfois, parce qu'on s'attache à ceux qu'on voit souvent. Ensuite, c'est dur de les quitter. Mais chaque fois qu'un animal est adopté, je m'en réjouis. Un labrador que j'aimais beaucoup a été adopté récemment. Et son nouveau propriétaire nous a envoyé une photo et des nouvelles. Ça nous a fait vraiment plaisir. Alors, tu me conseilles de m'engager Oui, bien sûr. Cela ne demande pas beaucoup de temps ni d'énergie. Par contre, on sent que les animaux apprécient notre visite et qu'ils nous attendent. Les employés du refuge n'ont pas beaucoup de temps à part les soins essentiels. C'est de nous que les animaux attendent les câlins et les promenades. Je suis très timide, et cela m'empêche de m'exprimer devant les profs. À chaque fois, mes mains deviennent moites, et je rougis, je bégaye, c'est la panique, et je suis incapable de répondre même aux questions les plus simples. C'est ta timidité qui te gâche la vie ainsi. La plupart du temps, la timidité est un signe d'anxiété, de manque de confiance en soi. L'ennuyeux avec la timidité, c'est qu'elle peut mener à un repli sur soi ce qui rend difficile toute relation avec les autres, et t'empêche ainsi de te lier d'amitié avec les jeunes de ton âge. Est-ce que je peux faire quelque chose contre cette satanée de timidité Oui, bien sûr. Inscris-toi, par exemple, à des cours de danse ou de théâtre. Tu y apprendras à maîtriser ta respiration, à apprivoiser ton corps. Parle aussi de ton problème avec un prof dans lequel tu as une confiance absolue il ou elle pourra t'aider et t'encourager. Et n'oublie pas que tu n'es pas la seule dans ce cas. Observe les autres élèves de ta classe. Il y a même beaucoup d'adultes qui souffrent de timidité. Vous ne pensez pas que je devrais consulter un psy Pas tout de suite en tout cas. Essaye d'abord de revaloriser ton image en te répétant chaque jour que tu n'es pas plus bête qu'une autre, et tu verras que tu regagneras petit à petit Confiance en toi. Bonne chance. Je suis très timide, et cela m'empêche de m'exprimer devant les profs. À chaque fois, mes mains deviennent moites, et je rougis, je bégaye, c'est la panique, et je suis incapable de répondre même aux questions les plus simples. C'est ta timidité qui te gâche la vie ainsi. La plupart du temps, la timidité est un signe d'anxiété, de manque de confiance en soi. L'ennuyeux avec la timidité, c'est qu'elle peut mener à un repli sur soi ce qui rend difficile toute relation avec les autres, et t'empêche ainsi de te lier d'amitié avec les jeunes de ton âge. Est-ce que je peux faire quelque chose contre cette satanée de timidité Oui, bien sûr. Inscris-toi, par exemple, à des cours de danse ou de théâtre. Tu y apprendras à maîtriser ta respiration, à apprivoiser ton corps. Parle aussi de ton problème avec un prof dans lequel tu as une confiance absolue il ou elle pourra t'aider et t'encourager. Et n'oublie pas que tu n'es pas la seule dans ce cas. Observe les autres élèves de ta classe. Il y a même beaucoup d'adultes qui souffrent de timidité. Vous ne pensez pas que je devrais consulter un psy Pas tout de suite en tout cas. Essaye d'abord de revaloriser ton image en te répétant chaque jour que tu n'es pas plus bête qu'une autre et tu verras que tu regagneras petit à petit Confiance en toi. Bonne chance. Famille nombreuse, famille heureuse, dit une chanson des Négresses Vertes. Est-ce que c'est vrai Nous allons le demander à deux jeunes collégiennes. On commence par toi, Mylène. Vous êtes combien dans la famille J'ai deux frères et deux sœurs. Avec moi, ça fait cinq. Sept avec les parents. Quand on est nombreux, il faut être bien organisé. Comment faites-vous Il y a un planning sur le frigo qui rappelle à chacun son tour de corvée. À tour de rôle, on fait le ménage, on met le couvert, on débarrasse. Le plus petit, pas encore. Il n'a que 4 ans. Mais à partir de 6 ans, c'est la règle. Est-ce que tu vois un côté positif Oui. C'est chouette parce qu'il y a toujours quelqu'un pour jouer. On n'est jamais seul. Mais on se dispute souvent aussi. Entre frères et sœurs, on se dit des gros mots, on se tape dessus. Et il y a moins de respect qu'avec les amis. Pour quelle raison est-ce que vous vous disputez On n'a pas le même âge. On n'a pas les mêmes goûts. Mon grand frère est au lycée et pense avoir plus de droits que moi. C'est lui qui choisit les programmes télé. Je partage ma chambre avec ma petite sœur et mes deux frères l'autre chambre. Quand on voyage ensemble, c'est la pagaille. Chacun veut se mettre devant, à côté de papa. Heureusement, on ne part pas souvent tous ensemble. Et toi, Vanessa, tu es fille unique Non, j'ai deux petits frères jumeaux. Comment ça se passe Ça dépend. D'habitude, le soir, quand les petits vont au lit, je leur raconte des histoires. Quand les parents ne sont pas là, ils ne m'écoutent pas. Et ils se chamaillent tout le temps. Je n'ai pas de moment de calme toute seule. Les petits m'embêtent quand je fais mes devoirs ou que j'écris mon journal. Alors pour être tranquille, je ferme ma chambre à clé. L'avantage pour nous, c'est d'avoir une grande maison. Tu voudrais changer ta situation Certainement. Un enfant unique reçoit plus de cadeaux. Il a toute l'attention des parents pour lui. SOS Animaux. On m'a dit que tu faisais partie d'un club de jeunes de la Société Protectrice des Animaux. J'en ai entendu parler et je voudrais m'engager. Excellente idée. La SPA accueille des animaux dans les refuges. Quelles sont les activités du club On fait plein d'activités. Moi, je vais depuis quelques mois dans un refuge, tous les samedis après les cours et pendant les vacances scolaires. Je m'occupe des chiens abandonnés. Chaque fois, je vois une dizaine de chiens. Je leur donne leur nourriture, je les brosse, je les promène, je joue avec eux et je leur fais des câlins. Je ne comprends pas ceux qui abandonnent les animaux. Tu passes tout l'après-midi avec eux Ouais, mais ce n'est pas obligatoire. On peut rester le temps qu'on veut. Tu n'as pas peur Les chiens ne sont pas agressifs Non, ils sont surtout malheureux. C'est un peu déprimant parfois, parce qu'on s'attache à ceux qu'on voit souvent. Ensuite, c'est dur de les quitter. Mais chaque fois qu'un animal est adopté, je m'en réjouis. Un labrador que j'aimais beaucoup a été adopté récemment. Et son nouveau propriétaire nous a envoyé une photo et des nouvelles. Ça nous a fait vraiment plaisir. Alors, tu me conseilles de m'engager? Oui, bien sûr. Cela ne demande pas beaucoup de temps ni d'énergie. Par contre, on sent que les animaux apprécient notre visite et qu'ils nous attendent. Les employés du refuge n'ont pas beaucoup de temps à part les soins essentiels. C'est de nous que les animaux attendent les câlins et les promenades. Je suis très timide, et cela m'empêche de m'exprimer devant les profs. À chaque fois, mes mains deviennent moites. Et je rougis, je bégaye, c'est la panique, et je suis incapable de répondre même aux questions les plus simples. C'est ta timidité qui te gâche la vie ainsi. La plupart du temps, la timidité est un signe d'anxiété, de manque de confiance en soi. L'ennuyeux avec la timidité, c'est qu'elle peut mener à un repli sur soi, ce qui rend difficile toute relation avec les autres et t'empêche ainsi de te lier d'amitié avec les jeunes de ton âge. Est-ce que je peux faire quelque chose contre cette satanée timidité Oui, bien sûr. Inscris-toi, par exemple, à des cours de danse ou de théâtre. Tu y apprendras à maîtriser ta respiration, à apprivoiser ton corps. Parle aussi de ton problème avec un prof dans lequel tu as une confiance absolue. Il ou elle pourra t'aider et t'encourager. Et n'oublie pas que tu n'es pas la seule dans ce cas. Observe les autres élèves de ta classe. Il y a même beaucoup d'adultes qui souffrent de timidité. Vous ne pensez pas que je devrais consulter un psy Pas tout de suite en tout cas. Essaye d'abord de revaloriser ton image en te répétant chaque jour que tu n'es pas plus bête qu'une autre et tu verras que tu regagneras petit à petit confiance en toi. Bonne chance.